Good morning, allez, Iden et Tutra, aujourd'hui, le Lunishmat, Avram, Chai, Norbert, Ben Fortuné, Chaya, Bat Tovar, Chamim, Ben Rosin, Sikulin, Fouat, Raphaël, Zavolon, Ben Chaim, Ali, Amir, Abat Rasid, Ben Yodite, Sarah, Bat Vitir, Kabat, Orchak, Foul, Israël, si vous souhaitez aussi des deux prochaines études de Mishnah, contacté le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Bechorot, Perek He, Mishnah Gimel, Atzorem, Beozana Bechor, Areize, Lo, Ishachet, Olamit, Divré, Rabbi Eliezer, Vachachamim, Omrim, Kshayivaled, Lo, Moumacher, et on Ishachet, Alav. Et on s'arrête là pour le moment. On expliquera, on lira ensuite la suite de la Mishnah. Pour le moment, on parle, vous connaissez bien le sujet, bien sûr, depuis qu'on a commencé la Sechet Bechorot, premier-né d'une mère de famille des vaches, mouton, une brebis ou une chèvre, et bien le premier-né, il a une doucha de Bechor. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait l'amener au Beth Amikdash, en faire un korban. Et à notre époque, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc il faut patiemment attendre qu'il va avoir un défaut. Il va avoir un défaut qui va le rendre invalide au Mizbeach et on va pouvoir le consommer. La Mishnah m'enseigne maintenant Atzorem Berozan Abechor. Si, donc, qui va le consommer? Bien sûr, le Kohen. Ouais, le Bechor, c'est un cadeau à donner au Kohen. À l'époque du Beth Amikdash, c'est le Kohen qui le monte au Beth Amikdash pour le. C'est-à-dire, je l'amène au Beth Amikdash et je le donne aux Kohanim qui sont là-bas. Tandis qu'à notre époque, maintenant, où il n'y a plus de Beth Amikdash, je le donne avant qu'il ait son défaut, je le donne au Kohen. Et le Kohen, il doit ensuite patienter, attendre le défaut en l'occurrence. Eh bien, la Mishnah enseigne, si toutefois il y a un Kohen, c'est le prix de inciser dans un endroit où ça invalide le Bechor, par exemple dans l'oreille, dans la lèvre, ouais, la lèvre inférieure, peu importe, il y a un défaut que maintenant à cause de ça, il va être pas saoul pour le Mizbar, il va être invalidé pour le Mizbar. Pour le Mizbar, on veut le plus beau, le plus parfait, qu'il n'y ait pas un seul truc et qu'il ne soit pas moche, qu'il soit beau, réellement, physiquement, quoi, qu'il soit bien, parfaitement, qu'il n'y ait pas de défaut. En l'occurrence, le Kohen, il a fait le défaut consciemment, et bien Rabbi Eliezer nous enseigne, et ben, on lui fait un knas, on interdit, on lui fait une amende à ce Kohen, que son Bechor, on ne pourra plus jamais le manger. Même si après, une fois qu'il a eu l'oreille incisée, il va le garder, et puis après il va se casser une patte complètement de lui-même, tout le monde est certain que ça s'est fait accidentellement, et bien c'est fini, tu ne pourras plus le manger. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un interdit de la Torah, kol mum lo yebo. Il y a un interdit de la Torah de faire un défaut au Bechor. On n'a pas le droit consciemment de faire un défaut au Bechor, et à tous les korbanot en l'occurrence, mais pas que le Bechor. Et pire que ça, même lorsque le Bechor, comme ça s'est rapporté dans le Matan Torah, lorsque le Bechor il a déjà eu son défaut, on n'a pas le droit d'en faire un deuxième. Donc de ce fait, ce que tu as fait, c'est ce qu'il a fait quand il a fait consciemment, il a incisé l'oreille. Eh bien, il a fait un défaut que, quel que soit le moment où tu le feras, tu transgresses un interdit, qu'on frappe sur ça d'ailleurs, on donne 39 coups sur ça, sur cet interdit. De ce fait, Rami m'a dit, mais tu sais quoi, ça ne change rien, même s'il va ensuite avoir un vrai défaut qui va pouvoir être égorgé, de toute façon, on ne pourra plus l'égorger, parce que tu as transgressé un interdit, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Tandis que Rami m'a dit, non, tu le gardes, tu y vas l'aider au mot macher, et chachet alav, tu le gardes, et quand il aura un autre défaut, que tu devras prouver que ça a été accidentel, mais si tu dois avoir un défaut accidentel, eh bien désormais, tu pourras le consommer. D'accord? Maintenant, on continue la Mishnah avec deux histoires. Premièrement, Maaseh Bezachar, deux histoires qui se ressemblent. Maaseh Bezachar shel Rechelim Zaken Us'aro Medulal Ra'ahu Kasdor Echad Amar Matibo Shalze Amor Lo Bechoru Veno Nishchat Elaim Ken Ayabomum Natal Figyon Tzaram Beozno Uba Maaseh Lifnei Chachamim Vehitiru Ra'a Shehitiru Et selon le même principe, la même histoire, dans une autre circonstance, et la Mishnah qui continue avec la généralité, on commence à rapporter d'abord la première histoire, Maaseh Bezachar shel Rechelim, une histoire avec un zachar, un mâle des brebis, concrètement un petit mouton, d'accord? Un mouton qui était donc un bechor, qui avait zaken, qui avait vieilli, parce qu'il avait des belles bouclettes. Pour quelle raison? On savait bien pourquoi le bechor il a toujours des belles bouclettes, puisque tu dois le laisser paître sans pouvoir le tondre. Tous les moutons, on les tond. Arrive l'été, on lui passe un petit coup de tondeuse, on lui allège la laine, et nous on en profite, on fait des vêtements. Chez le Bechor, on n'a pas le droit de le tondre. De ce fait,
Le Bechor, tu laisses un an, 2 ans, 3 ans, imagine la touffe de laine qu'il va avoir, ça va être un vrai hippie. D'accord? Et il avait comme ça des beaux, donc des belles bouclettes médouldal. Il commençait à vieillir. Et c'était très intéressant. Jamais ça n'existe pas. Dans tout le monde, vous ne verrez jamais un mouton qui n'a pas été tondu pendant des années. D'accord? On préfère faire de la laine que plutôt que du rock'n'roll à Woodstock. Alors en l'occurrence, il y a eu un goy, un casse d'or et chad. Un casse d'or, c'est un, je sais pas, un ministre du roi ou un policier du roi, je sais pas. Goy, il a vu, il a dit, mais qu'est-ce que c'est ce hippie? Amar, Mativo Shelze, c'est quoi la raison de ce, qu'est-ce qu'il a ce mouton bizarre là? Pourquoi il a des cheveux tellement longs? Amorolo, alors il lui a répondu, ah, c'est un problème de juif ça. C'est un Bechor, on n'a pas le droit de lui faire de l'égorger tant qu'on lui a pas fait un môme, tant qu'il n'a pas eu un défaut. Et on doit le laisser vieillir. Ils ont expliqué un petit peu là, qu'est-ce qu'elle propose de la Torah. Il dit, mais il ben, faut lui faire un défaut. Natal Pigion, il a sorti un Pigion. Pigion, et Rachid écrit, Bartenor il rapporte que c'est un couteau qui a deux lames, double lame, quoi, c'est-à-dire des deux côtés. Et donc il a sorti son couteau, le Tsaramlo. Ozno, et lui a un ciseau l'oreille, il lui a fait un défaut, même les goyim, il savait qu'est-ce que c'était un défaut, c'était fréquent, étant donné que même chez les goyim, quand ils faisaient leur avodah zarah, hein, eh bien, eux aussi, ils faisaient attention à offrir des animaux qui n'avaient pas de défaut, pas les mêmes défauts exactement, mais en tout cas, donc c'était une notion qui était connue même chez les goyim. Donc quand on lui a dit qu'on ne pouvait pas le faire en korban, et qu'on était bloqué, il a sorti son couteau, il a coupé un bout de l'oreille. Obama, c'est l'ifni chachamim. On est parti poser la question chez les chachamim. On lui dit, est-ce qu'on a le droit d'égorger, étant donné qu'on ne lui a pas demandé au goy de le faire. Il l'a fait de son propre... de lui-même, quoi. Ben, veitiru, les chachamim m'ont permis. On dit, aucun problème. Il a fait de lui-même, de son plein gré, sans que personne ne le stimule, ne lui fasse aucune allusion, quoi que ce soit. Alors c'est permis, on pourra l'égorger. Du coup, ça lui a plu, ce goy. Il a voulu aider tous les juifs qui avaient des moutons hippies chez eux. Raach et Hitiru, lorsqu'elle a vu que chachamim, ils ont permis les Bechorot, il a dit, ah, je vais faire du bien à mes amis juifs, quand même. Ve'alach, ve'tsaram, be'ozne Bechorot, achirim. Du coup, il se promenait dans les rues, et quand il y a chaque fois qu'il voyait un mouton avec une belle touffe sur la tête, il comprenait que c'était un Bechor, il partait, tac, il lui incisait l'oreille. Alors là, on est reparti poser avec son Khamim, on lui dit, là, est-ce que cette fois-ci c'est permise? Bah, ça vous, Khamim, ils ont interdit. Pour quelle raison ils interdisent? Parce que cette fois-ci, la deuxième fois, lorsqu'il incise l'oreille, il ne le fait plus de son propre chef, il le fait parce qu'il a envie de trouver grâce aux yeux du goy, aux yeux du juif, et dans ce cas-là, ça prend une certaine allure de... C'est pas une vraie shlichut, c'est pas qu'on l'a nommé pour le faire, mais en tout cas, étant donné qu'il le fait pour nous faire plaisir à un juif, donc là, ça devient interdit, d'accord? Ça s'appelle les da'ato, c'est interdit. Comme la Mishnah va conclure, « Kol shehu les da'ato, asur, v'shelo les da'ato, mutar. » Deuxième histoire, « Pa'am achat, une autre fois, hayu tinokot mesachakin basade. » Il y avait les enfants qui jouaient dans les champs. Là-bas dans les champs, il y avait des moutons. Et bien sûr, les enfants qui jouent avec des moutons, qu'est-ce qu'ils font? Des choses un petit peu sadiques et méchantes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vekashroz navot tlaim zelazé. Ils ont attaché les queues des moutons ensemble. D'accord? Venifseka znavo shalechad mehem la rue Bechor. Et il s'est passé que les moutons, après, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils faisaient exploser quelque chose ou peu importe. Et les moutons, ils se mettaient à partir et bien sûr. Il y avait des queues qui craquaient. Il y a une queue qui a craqué en l'occurrence, et c'était celle d'un Bechor. Eh bien, Obama Senefne Chachamim, Vitiru. Et l'histoire, elle a été présentée devant les Chachamim. Les Chachamim ont dit, ben, aucun problème. Les enfants, ils ont fait de leur propre chef, avec aucune intention de faire plaisir aux adultes. On leur a rien demandé, ils ont fait de même. Alors c'est permis. Du coup, les enfants, un petit peu voyous, ils ont dit, voyez, c'est important d'être un voyou, faut pas être un trop grand sadique avec ses livres toute la journée, faut un petit peu faire le fou dans les champs. Regarde, Khachamim, ils sont contents, donc grâce à nous, on a des Bechorot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Raouche et Tirou, ils ont vu que c'était permis, du coup, c'est devenu le grand jeu de la classe. Dalcho vekachouz navot Bechorot achirim. Ils partaient, ils se mettaient à attacher toutes les queues ensemble et à faire c'était devenu le jeu kadosh de l'époque. Là, c'est l'histoire de la partie chez Khachamim, va Sarou, de nouveau, ils ont interdit. Selon le principe, parce que là, cette fois-ci, le petit ne le fait plus de son propre chef pour son plaisir, mais il le fait parce qu'il veut faire plaisir à l'adulte. Et dans ce cas-là, c'est les da'ato de l'adulte, comme l'acheté en concluant en me disant « Zéaklal, telle est la règle, kol sheo les da'ato, tout ce qui est fait consciemment, pas consciemment, tout ce qui est fait pour
Les datos, c'est dur à traduire ce mot que les datos, mais pour son bien, pour son intérêt, avec intention de lui faire plaisir, intentionnellement pour lui faire plaisir, tout ce que Goy ou l'enfant va faire intentionnellement pour un plaisir, alors c'est interdit. C'est interdit, c'est-à-dire on ne pourra pas égorger le Bechor à partir de ce moum. Le Barthénois nous rapporte que la généralité, elle est venue même inclure encore autre chose, un autre cas, elle est venue inclure le cas où je vais m'amuser, on l'a déjà évoqué plus haut. Il y avait dans le Mishnah, dans le Pérec d'avant, je crois, où je vais me promener avec le Béchor dans un endroit où il y a des barbelés, dans l'espoir qu'il va se faire une belle égratignure, où il va tomber, il va se casser une patte, ou, eh bien, dans ce cas-là, c'est interdit de nouveau, parce que c'est les da'ato. C'est un défaut qui est venu, les da'ato, qui a été un petit peu. On a poussé mamie dans les orties, d'accord? On a poussé le Béchor dans les orties, en l'occurrence. Véchelon, les da'ato, et tout ce qui n'est pas les da'ato, tout ce qui est fait vraiment, sans aucune intention, complètement, dans ce cas-là, c'est moutard, on a le droit de lui faire la shrita. Le Barthénora, il y a un long Barthénora ici qui explique la nécessité d'avoir raconté là deux fois la même histoire avec le policier Goy, et puis après avec les petits-enfants, et il précise que chacun y avait, c'était important de le préciser, parce qu'on a pu croire que le policier Goy, bon, c'est vrai qu'on a permis, parce que c'est un Goy, mais les enfants, peut-être qu'il aurait fallu leur interdire, parce qu'un jour, ils risquent de devenir adultes et de se permettre de faire des choses. Et inversement, on aurait pu se dire que c'est les enfants, c'est pas mieux, parce que les enfants, c'est très bien que les enfants. Ils font n'importe quoi avec aucune intention. Mais un adulte goy, peut-être qu'ensuite on va se permettre on risque de permettre même pour un adulte juif aussi. Et dans ce cas-là, c'est interdit. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu le préciser. Et voilà, on a fini la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sefer HaKol Tov.